Salam alaikum, Azulfillawan, bonjour. Quand j'étais dans la presse écrite, j'ai voulu réaliser un reportage sur les prises en charge pour des soins à l'étranger, dont tout le monde sait que c'est un domaine ultra sensible, ultra confidentiel, pour cacher aux Algériens que leurs dirigeants se font soigner dans les meilleurs hôpitaux du monde, jusque dans le Cedars Sinaï, le Medical Center, jusque dans l'hôpital américain de Neuilly, jusque dans le Val-de-Grâce, jusque dans les Invalides. Nos dirigeants s'y font soigner régulièrement, aux frais du peuple, souvent pour des petits bobos, parfois même, nous dit-on, pour arrêter de fumer. J'ai donc cherché à avoir des informations sur la question. Et j'ai curieusement découvert que ces prises en charge étaient plus protégées que les secrets défense. Les gens à qui j'ai demandé ces informations m'ont regardé comme si j'avais cherché à savoir où se fabriquait la bombe atomique algérienne. J'ai appris que les dossiers des barons du régime et de leurs familles qui bénéficiaient de ces prises en charge, étaient centralisés à Alger, enfermés dans un bureau de la sécurité sociale, aménagé en une sorte de bunker, ou plutôt d'armoire forte, de coffre-fort, dont l'accès n'était autorisé qu'à des gens triés sur le volet. Et c'est ainsi pour toutes les informations concernant ce dossier, depuis la prise de décision administrative jusqu'au financement de la prise en charge en question. Secret d'État, bombe atomique. Et c'est bien normal que ces privilèges soient ainsi dissimulés, parce que dans le même temps que ces gens et leurs familles se font traiter dans les meilleurs centres de soins du monde, le bon peuple meurt de maladies d'un autre âge, dans des hôpitaux mouroirs, où règne l'anarchie, où le manque de moyens décourage les meilleures volontés des personnels, médecins et paramédicaux, où la saleté, l'infection, les maladies nosocomiales font des ravages, où les femmes accouchent dans des conditions atroces, indignes du nom d'humain, où des gens atteints de cancer meurent faute de prise en charge appropriée, ou d'autres se tordent de douleur parce que les traitements palliatifs sont le dernier souci des autorités, au point où il faut avoir un sacré piston pour pouvoir en bénéficier de façon normale. Dans les hôpitaux psychiatriques, la situation des malades, surtout ceux qui n'ont pas des parents puissants, des familles puissantes, est proprement hallucinante. Les malheureux qui y sont enfermés, dans des conditions dignes du Moyen-Âge, ils sont maltraités, battus, alimentés comme des bêtes, parfois lavés aux tuyaux d'arrosage, grouillant de vermine, suintant de plaies purulentes. Leurs médicaments sont souvent volés par les personnels qui y officient pour être vendus au marché noir. En somme, et parce que je pourrais rester des heures à vous décrire l'indicible souffrance des gens qui s'y sont échoués dans ces hôpitaux. Nos hôpitaux, ces hôpitaux-là, sont dans une situation qui montre bien, pire que tout autre secteur, que le pays est entre les mains d'une médiocratie qui a conduit ce pays au naufrage, où les plus faibles, ceux que la misère ou la maladie a jetés sur les bords affreux de l'incertitude, sont livrés au désespoir et à l'abandon. Pourtant, tomber malade, ça n'arrive pas qu'aux autres. N'importe qui peut se retrouver dans l'enfer que sont devenus nos hôpitaux. Et les cliniques privées, elles-mêmes, sujettes à caution, sont loin d'être à la portée de monsieur tout le monde. C'est dire toute la détresse d'une société dont tous les secteurs vitaux sont en déshérence, dont les dirigeants et leurs familles ne vivent plus dans le pays, ne se servent même plus de ces infrastructures, même s'ils y disposent de tout ce qui n'est pas permis aux rachis que nous sommes. Et
ce n'est pas pour rien qu'un nombre inimaginable de nos médecins s'est expatrié après que la société ait consenti d'énormes sacrifices pour former ces médecins. Les former pour que les pays occidentaux les cueillent comme des fruits mûrs, sans bourse, déliés. Aujourd'hui. Journal international de médecine. L'Algérie malade de ses services de santé. Par Frédéric Haroche. Reporter. Alger Santé publique, Boudiaf ferme les centres médicaux sans normes. Par Wizia K. TSA. Hôpitaux publics, un vent de panique s'empare des responsables. Nous allons regarder un court enregistrement où nous verrons Monsieur le ministre de la Santé, Yakim Bahkamo, comme on dit, et dans le même enregistrement, nous verrons un soudeur qui officie dans une chambre d'hôtel où le malade n'a même pas été déménagé. Regardez. مزبور راك مرحبا الناس اسمع نقول لك 2012 à 2015 الناس طلعت دي سي اش الناس طلعت حتى ما كاش منها اساسي واش هي الحق السهل سيدي سيدي راه مسوجيري بار لو اش جو في ان شاك فوا شكون لو اش سي دو اش سي با لا دو اش يا ولدي هذا واش قادر يجي روحو نفس واش قادر يجي لها نفس واش قادر يجي لها وحطيتو ليا مبركسي نحيو عليا العشيه هذه عيط لوكال ديراش قالوا لي انا ديريكتور خليه يحكم بلاصتو ولا يحير واحد سي كوم سا اي مينيموم دو ريسبي سيدي او كي الحال انت ما هضرت مع المدير شوف واش هضرت معايا اختلف والله فكرت انا كيما تقول لي ولا ما المره اللي فاتت جيت انا واش قلت لك قلبتوني من الباب واش قلت لك كذب عليا البيرو ديتيود وزدتو نتوما واش تهمنا لا واش قلتوا لي واش قلتوا لي واش قلت لي واش قلتوا لي واش هو لونكاجمون اللي عطيتوني واش هو لونكاجمون وراه البيرو ديتيود مادام عندك مشاكل تكنيك وراه البيرو ديتيود ارواحنا بيرو ديتيود واش دير نتا كيعود عندهم دي كونترانت واش دير معاهم نتا واش درت هاد لي كونترانت اللي راهم يهضروا ستار ريسبونسابيليتي واش رايك ندير لك اقتراح سيدي المدير سيدي الوالي اذا كان تسمح لي نحيوهم يخرجوا كيما راهم بيب نغلقوا ونعاود ندير ازيرو ونديرو سلام عليكم سيدي براكاس وي سيتي هذا مكان هو تعطال فيها ومادام براكاسي مش حابين يخدموا حبس لهم كلش خرجهم ونعاود كلش ازيرو ماكش تخدم ماكش تخدم ماكش تخدم اسي ما عنده دوبي 2012 انايا باش دير لي حطبه تقول فيها اربع سنين ماكش تخدم ماكش تخدم اسمع انا شوف انا اسمع انا بالنسبه ليا قسم دينا عندي مشكل في الصحه فيها عندي مشكل عندي مرضى عندي مشكل في السياشي وعاودت لك هاد سانيتير تاع قسمتينا وبازيتها على لوبيتال هذا فوزاتو انتران دو سابوتي هذا مكان المواطنين المرضى لو كانوا يعرفوا يجيو يعلقوك من عندك هذا مكان ministre qui fait de la gestion spectacle pendant que dans une chambre d'hôtel un soudeur soude à l'arc et arrose le malade de ses gerbes, de ses étincelles de soudure à l'arc, le plus normalement du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, par ordre alphabétique, Nouha Aïsset, pharmacienne, Alger, et Elias Filali de Nas El Khair, Alger. Nouha Aïsset, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, malgré la dégradation, et quelle dégradation de la santé publique en Algérie, les gens ne réagissent plus à rien.
C'est une sorte de banalisation, mais alors, quand je dis banalisation, je reste mesuré. Comment expliquez-vous ça? Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous avez entendu ma question? Oui, j'ai bien entendu votre question. En fait, là, c'est un point très important que vous soulignez, parce que moi, j'ai souhaité m'exprimer dans l'émission en tant que citoyenne algérienne. Et ce qui en fait me pousse à me révolter, tout comme n'importe quel citoyen, parce que nous sommes tous amenés à tomber malades et à devoir donc rentrer dans nos hôpitaux. Et en fait, ce qui est très très étonnant pour nous en tant que citoyens, c'est que ces choses qui sont tout à fait inconcevables sont conçues comme tout à fait normales. Si on souhaite se faire opérer pour une opération qui relève de l'urgence, citant par exemple une opération dernier, donc vous pouvez facilement obtenir un rendez-vous dans 3-4 mois, à moins que vous ayez de la ma'arifa, enfin quelqu'un qui pourrait intervenir pour vous obtenir un rendez-vous. Donc nous, citoyens normaux n'ayant pas le moyen de pouvoir se faire soigner à l'étranger, ça reste un très grand souci. Et je vous dis que moi, personnellement, ça m'est arrivé de m'entretenir avec un médecin, je ne sais très bien pas le nom, dans un service d'oncologie. Et c'était donc à l'époque où j'avais terminé mes études de pharmacie. Donc là, on arrive de la fac, ambitieux, on pense à de nouvelles idées et tout ça. Et moi, j'ai discuté avec le médecin pour parler de la qualité de vie du malade cancéreux avec la chimiothérapie et tout ça, comment on pourrait améliorer donc sa façon de s'alimenter, de sentir moins la douleur et tout ça. Et là, le médecin me disait, mais vous savez, vous vivez dans d'une autre dimension, parce que nous, déjà, le problème, c'est de pouvoir soigner les malades, ça, on le sait tous, déjà, pour obtenir les rendez-vous de chimiothérapie, etc. Mais il m'a dit, et texto, que, vous savez, nous, on a des malades qui décèdent par surinfection, enfin, des complications dues juste à l'hygiène, au niveau des services et tout ça. Et le médecin, en fait, disait ça de façon tout à fait normale, ce qui était le plus étonnant. Et moi, je disais, oui, mais vous dites ça comme ça, c'est normal pour vous. Il m'a dit, oui, mais allez parler aux services, allez parler aux gens qui s'occupent donc de l'hygiène, allez parler aux infirmières et tout ça, et allez leur changer leurs habitudes. Vous ne pourrez jamais. C'est comme ça, c'est normal, c'est la mentalité. Donc moi, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il ne faut pas se taire, que ce soit c'est-à-dire les médecins, et puis le malade, il faut exiger un minimum, le personnel paramédical, donc c'est un service, comme on dit, on n'est pas en train de travailler dans un autre secteur, c'est la médecine, c'est la santé, c'est la vie des gens, on ne joue pas avec ça. Comment est-ce qu'on a pu arriver à ce niveau de banalisation des choses, c'est quelque chose de vraiment inconcevable, en fait. Mais justement, Nouha Aïssat, comment expliquez-vous qu'un pays qui a engrangé des centaines de millions de milliards, environ, qui a dépensé environ presque 800 milliards de dollars en 15 ans, n'est pas pensé à étoffer, à organiser le secteur de la santé au point où les Algériens vont se soigner en Tunisie, qui ne dispose pas du dixième de nos ressources. La plupart des gens, les privilégiés de la classe moyenne, se font soigner en Tunisie, dans la petite Tunisie. Alors, pourquoi ? Est-ce que parce que les barons du régime se sont désintéressés parce qu'ils se soignent à l'étranger ? Est-ce que c'est juste de l'incompétence ? Comment expliquez-vous ça ? Sincèrement, c'est une question que je me pose depuis toujours. C'est vrai que je suis pharmacienne, je suis un petit peu proche du secteur, donc j'essaie un petit peu de côtoyer les gens pour essayer de comprendre. Là, bon, on a tendance à blâmer bien sûr le gouvernement, à blâmer le système, parce que ça doit être revu, ça doit être réfléchi, comme font les nations maintenant, parce que bon, quand on compare avec quelques pays, moi je suis partie faire un stage en Finlande par exemple, les gens sont tout à fait à des années-lumière avant nous, les gens ont des ce qu'on appelle des systèmes de report où ils ont
Par exemple, le patient, il a tout son dossier médical qui est enregistré dans un système où n'importe quel médecin ou hôpital pourrait accéder donc à tout l'historique ainsi de suite. Donc là, nous, on est vraiment à des années-lumière derrière, comme j'ai dit. Et ce qui a fait que nous arrivions là, parce que vous savez, un ministre de la Santé, il change souvent. Excusez-moi de le dire. Bon, c'est vrai qu'on blâme les responsables, mais parce que ce que j'essaie de dire, c'est qu'un ministre part, il y a un autre ministre. Mais le système de santé ne va que de mal en pire. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est vraiment un problème plus profond au niveau de la gestion de ces hôpitaux. Et ça va de la plus basse échelle au niveau de l'administration. Parce que vous savez, si vous rentrez dans un hôpital, vous avez la première personne qui va vous accueillir, c'est la femme de ménage. Elle va vous dire vous allez où ? Et comment est-ce que vous avez obtenu votre rendez-vous ? Il faut la connaître aussi pour pouvoir passer chez le médecin, pour ne pas attendre des jours et des jours pour pouvoir passer votre consultation. Il faut connaître l'agent de sécurité. Il faut connaître au niveau du laboratoire pour pouvoir faire un bilan. Il faut connaître le technicien ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un problème qui existe à tous les niveaux et il faut que nous l'admettions. C'est un problème de gestion. Vous savez, même au niveau du personnel qui gère l'hôpital, par exemple, vous trouverez tous les membres de la même famille parce que le recrutement ne se fait pas en fonction des compétences. Et ça, c'est quelque chose que tous les citoyens peuvent constater. Donc, c'est un problème de gestion qui va de haut en bas. C'est-à-dire que je ne blâme pas uniquement les gens que j'ai cités, aussi il n'y a pas de sous-métier, mais quand même il y a une certaine responsabilité. Chacun devrait faire son travail. Pourquoi est-ce que nous acceptions que les choses se font de cette manière? Même des fois, vous savez, il y a certaines choses très simples que nous constatons. Maintenant, quelqu'un qui prend du coton, de l'alcool, de l'hôpital, c'est devenu quelque chose de tout à fait normal. Parce qu'on se sent chez soi, les gens, donc ça devient une propriété personnelle, ce n'est pas une institution de l'État. Donc, il y a un véritable problème de la gestion du secteur public qui devrait être réfléchi par des experts, on devrait comparer... Noha Aïssat, restez avec nous. Des avancées. Oui. Restez avec nous, Noha Aïssat. J'accueille à présent Elias Filali. Elias, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Jamal. Merci pour cette émission. La santé des Algériens est une question très, très pertinente. Je vous remercie pour ça. Merci. Lias, avant de vous poser quelques questions, j'aimerais vous dire quelque chose. Très franchement, si ça ne tenait qu'à moi, récemment, ils ont donné la médaille de la bravoure, ils ont remis la médaille de la bravoure au général Taufik. Et à notre général, je crois, ou à d'autres généraux. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, c'est à vous que je remettrais la médaille de la bravoure. Et c'est à vous que je témoignerai une reconnaissance de la nation. Parce que si les gens, si nos concitoyens étaient comme vous, mobilisés pour dénoncer le mal, pour dénoncer les abus, les excès, mais en même temps mobilisés pour venir en aide, secourir les plus faibles, les plus démunis, très franchement, si nous étions tous comme vous, nous n'en serions pas là. Je tenais à vous le dire publiquement et à vous remercier. Sinon, Lias Filali, vous qui militez tellement, qui êtes sur le terrain, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette bérésina qui est devenue le secteur de la santé? C'est Jamal, tout d'abord, quand on voit le système de santé, ça ressemble au système. Le système pourri, ce régime pourri, puisque nos responsables... se soignent ailleurs, dans les cliniques les plus prestigieuses du monde. Et les hôpitaux. Et ça ne les intéresse pas. Et puis peut-être même des biomes, ils chauffent avec la misère chaîne pour se sentir un peu privilégiés. C'est ça la vérité. Problème, c'est un problème de conscience, c'est un problème de gestion. Si Jamel, quand vous avez un infirmier qui touche 35 000 dinars, 35 000 dinars, c'est à peine 200 euros. C'est même pas 10 euros par jour. Qu'est-ce qu'on espère? Et puis, c'est tout le monde qui s'en va vers le privé. Les infirmiers, vers le privé,
parce que le privé, un infirmier peut toucher jusqu'à 80 000, 90 000 dinars mois. Et c'est un manque d'effectifs flagrant. C'est une gestion anarchique parce que les responsables. Monsieur Jamal, moi j'ai des amis au sein du ministère. J'ai des amis au cœur du ministère de la Santé. Ministère de la Santé. Et c'est une. Ce qu'ils me disent, c'est. Il n'y a pas de compétences. Est-ce que les gens. C'est quoi leur CV de compétences? C'est quoi leur formation? On ne peut pas gérer 36 000 milliards de centimes par an. Aucune transparence. Il y en avait la chance de s'asseoir avec Dr Barkat à l'époque, en 2008. On a voulu essayer de redresser la barre, de faire un peu entre l'Algérie et les États-Unis, qui est la première à la médecine. Vous savez, j'étais très, très déçu, parce que pour la première fois, je parlais avec un ministre, avec Dr Medkor, qui avait avec lui. Il a ramené 60 000 dollars de donations des Américains pour essayer d'aider nos enfants et on nous a refusé parce que l'Algérie, c'est la France. C'est ce qu'on a dit à Dr Jamal. C'est récemment, il y a des amis qui sont venus, ils ont été reçus par des responsables, des hauts responsables de la santé. Alors ne parlez pas de la France. Alors pourquoi Lias Fidèli, je vais vous interrompre. Pour ramener des Américains, des compétences ici en Algérie, et pour vous économiser. Oui. Lias Fidèli, on vous entend mal. Je vais revenir vers vous dans un petit instant. On va essayer de corriger ce petit problème technique. Voilà, ils vont vous appeler au téléphone. Je reviens à vous dans un petit instant. Nouha Aïssat, j'aimerais vous poser une question sur un sujet en particulier. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous avez entendu parler de ce recours systématique aux césariennes. Ça veut dire pour gagner du temps, les femmes, les parturientes qui vont accoucher, généralement on simplifie, parce que ça c'est plus facile de faire une césarienne, malgré ce qu'en pensent les gens. Et donc maintenant, aujourd'hui, on me dit que pour ne pas faire de césarienne, il faut avoir des connaissances. C'est vrai, cette histoire ? Vous savez, pour la moindre des choses, c'est-à-dire n'importe quoi que vous souhaitez obtenir au niveau, déjà même parfois pour obtenir l'information par rapport à votre diagnostic, si vous voyez le médecin, il faudrait que vous connaissiez quelqu'un d'autre pour qu'il vous donne l'état exact de votre situation. Donc là, sincèrement, pour ce que vous venez de citer, je ne suis pas forcément au courant, mais ça ne m'étonnerait pas, ça pourrait absolument que ça soit possible, parce que vous avez déjà le malade, c'est très difficile d'obtenir l'information qu'il faut. Donc pour une femme qui doit accoucher, je pense que pour elle, on va lui dire tout simplement qu'il faut faire une césarienne ou quoi que ce soit, parce que ça a été décidé, on explique mal au malade. On lui laisse pas le choix, on ne sensibilise pas le malade. Donc le malade, il est là, il subit et il repart. Donc l'information que vous venez de donner ne m'étonnerait pas du tout. Nouha Aïssat, vous qui êtes pharmacienne, en matière de médicaments, pourquoi les soins palliatifs, par exemple en matière de traitement antidouleur, pour certains cancéreux qui arrivent au stade final. Il y a un manque énorme. En fait, c'est un point qui est souvent soulevé par les médecins du service d'oncologie. Les malades souffrent et personnellement, j'ai essayé de comprendre la raison. J'ai essayé de pouvoir diagnostiquer le problème, il se situe à quel niveau, parce que ces médicaments existent. Malheureusement, la plupart ne sont pas produits localement. On espère que l'industrie pharmaceutique se développe dans ce sens, mais il y a un manque énorme. Et puis parfois, c'est un problème de coordination. Parce que le service de la pharmacie ne travaille pas en étroite collaboration avec le service clinique. Pourquoi ? Parce que parfois, vous savez, certains médicaments qui sont très réglementés pour les douleurs très fortes, notamment des malades cancéreux, donc ils vous donnent une certaine quantité parce que ça a été décidé ainsi par la pharmacie.
pharmacie de l'hôpital ou par la réglementation au niveau de la pharmacie. Mais cette quantité ne suffit pas. Et puis parfois, vous avez le malade qui doit rentrer chez lui et qui doit continuer son traitement d'antidouleur. Ce n'est pas forcément possible par la pharmacie parce qu'on va lui dire que c'est un médicament réglementé, que vous avez obtenu la quantité à quoi vous avez droit. Alors que le médecin, de l'autre côté, dirait que la quantité de médicaments pour le malade n'est pas suffisante, mais je n'ai pas assez autorisé pour pouvoir lui donner ce qu'il faut parce que le service de pharmacie, vous voyez, c'est un problème. Je pense, à mon avis, de collaboration entre la pharmacie et restez avec nous. Restez avec nous. En termes de disponibilité. Restez avec nous, Noha. Lias Filali, vous êtes au courant de cette histoire de traitement palliatif, traitement antidouleur pour où il faut avoir des connaissances pour pouvoir en bénéficier normalement, pour ne pas souffrir, tout simplement. Il y a Jamal. On nous appelle presque chaque jour de l'Algérie profonde pour intervenir dans tel hôpital ou tel hôpital. Et on n'a pas les moyens de faire ça. C'est, les hôpitaux internats, si vous n'avez pas depuis de temps, ce n'est pas la peine. Il y a des médecins qui opèrent au niveau des hôpitaux avec de l'argent. Ça va comme ça. Avec de la Allez, on en dit rien. Avec de quoi l'argent. Ils opèrent. Les gens, à l'hôpital, ils payent les médecins. Ils sont opérés à l'hôpital. Ils payent. Oh là 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 là. Ils payent le médecin qui les opère. Il est dans un hôpital public et il paye le médecin qui l'opère. Dans un hôpital public, il paye le médecin sous la table. Et voilà, ils sont traités. Et bien sûr, ils sont pris en charge, une meilleure prise en charge, bien sûr. Et aussi pour le docteur, c'est un parent. C'est un parent à moi. Pour à peu près, pour essayer de justifier sa sollicitude. Voilà. C'est ça, c'est un parent. Voilà, c'est les gens, il y a des médecins qui sont en train de prendre de l'argent, des Algériens, et ils opèrent dans les hôpitaux algériens, dans notre médecine gratuite. C'est incroyable. Il y a Jamal, le problème, c'est que c'est un problème de conscience. Même le médecin, la médecine, c'est quelque chose de noble. Les gens, les étudiants choisissent la médecine parce qu'ils veulent faire quelque chose pour l'humanité. C'est noble, c'est quelque chose de formidable. Mais de nos jours, c'est incroyable. C'est incroyable. Les gens, ils sont là. Il y a une minorité qui sont en train, vraiment, Wallah, il y a une minorité qui sont en train de faire un travail formidable. Ils cotisent même les médecins, chacun, des fois. Ils sont en face de personnes très, très pauvres. Ils ont besoin de bilans, de scanners, d'IRM, et c'est les médecins qui cotisent. Ça, je dis, il y a des médecins qui ont les raforbés, mais la majorité, la quasi-majorité, sont là pour l'argent. Ils sont là pour l'argent. Et puis même des infirmiers qui touchent de l'argent, un infirmier, il travaille pour les cliniques privées. Il touche, il y a un pourcentage. Il y a des médecins aussi, et ça, au niveau du ministère, sont au courant, il y a un médecin qui travaille un jour par semaine. Il travaille un jour par semaine et les autres jours, c'est l'équipe privée parce que l'équipe privée, ça appartient aux gens du pouvoir, bien sûr, ils sont intouchables. C'est ça le problème. Monsieur Demes, tout le monde est complice. Tout le monde est complice. Tout d'abord, il va falloir voir la gestion, la formation. Sauf Demel. La femme de ménage, elle fait le cleaning, le cleaning à l'hôpital, elle nettoie l'hôpital, elle fait la lingerie, ou dit, c'est pas possible. يعني هذا يدل على شيء يا سي جمال على حرام الحجرة نتاع المسؤولين الجزائريين اللي ils sont pas au courant de ce qui se passe dans nos hôpitaux. Mais justement Lias Filali. C'est du populisme là. Si on veut vraiment redresser la barre, c'est dans le calme et la sérénité. Parce que si en live sur la télévision, c'est l'humiliation des responsables. C'est pas comme ça qu'on va redresser la base. Justement, Lies, ce ministre de la Santé,
qui fait dans la communication, vraiment la communication de pointe. Il est sur la télévision, les vidéos, des enregistrements directs en train de faire de la gestion directement en direct, en temps réel presque. Et il ne voit pas ce que vous êtes en train de signaler, ces dysfonctionnements qui devraient justement ressortir de ses compétences et de son organisation. Mais demain, depuis 2008, depuis l'avènement à l'Internet, et YouTube et Facebook, on dénonçait tout ce qui se passait dans les hôpitaux. Mais on nous a qualifiés de tous les noms. Il y a des Kharidiyah, des Mitapatri, des Semmonet, tout le Sna. Mais l'Yom al-Haqwin, l'Haqben, parce que Dieu merci pour les réseaux sociaux, Dieu merci pour le Facebook, Dieu merci pour le YouTube, Dieu merci pour les Algériens. Et ils sont peu, mais ils ont fait la différence, c'est Sawar ou Behdel. Il faut dénoncer. Alors, Anan, si je suis un ministre, quand il humilie les responsables en live, c'est quoi ce pays? C'est quoi? Est-ce que de cette façon, l'humiliation en direct, et en termes de communication, Anan, je le dis, c'est pour vous dire, Rakhto zéro. Parce que si on veut, il y a une réforme. Déjà le nom, la réforme hospitalière. C'était quoi ce nom-là? Ministre de la réforme hospitalière. On construit une mosquée de 4 milliards de dollars alors qu'on n'a même pas un hôpital digne de ce nom. Et on dit que Hadj Fidemel, on mérite tout ça parce que Hadj Shabada, il dénonce. Ils sont très peu les gens qui dénoncent. Ils sont très peu les gens qui vont se plaindre. Ils savent parce que même là, au niveau avec les parents des patients, ils ont peur de dénoncer une séquence parce que c'est la revanche. Il y a des enfants qu'on a ramenés en Tunisie. Il y a un enfant qui avait des complications. Karwa et moi, qu'ils n'ont pas voulu le soigner par le Wundertol. Est-ce que c'est de l'humanité? Est-ce que voilà l'humanité? Où est la déontologie du médecin? Oui, Narahi, la déontologie. Eh bien, on connaît le Canadien, un médecin, un professeur. L'hôpital de Bentley. C'est une poupée. Malek, Allah yarhamha, on était en Tunisie, elle allait opérer le lendemain. Eh bien, je suis matiquine avant d'être opéré en Tunisie. Eh bien, qui connaît ce bête-là, je suis là. L'hôpital public, je suis là, docteur, j'ai oublié son nom. Il dit non, c'est un cas, c'est pas la peine de mettre que Bedouche Aléum, le mot analytique. Oui. Mettre que Bedouche Aléum, c'est des crimes contre l'humanité. Qui te colle l'homme, mettre que Bedouche Aléum, c'est normalement, c'est comme ça. C'est ça, c'est ça ce qui maintenant sur la muraqaba, ou la muhasaba, même le surveillant médical, il est complice. Même le surveillant médical est complice. Ouais, il n'y a ni contrôle, ni rien. Parce que le médecin a recouché pour le docteur Jamal, et pour le bintik ni osmanha. Le même médecin, avec les parents, le même médecin, même qu'il soit représenté, il est privé, il pour le l'opéré, ou la restaurante, ou tout le monde. Alors, restez avec nous, Lias Filali. Nous allons prendre une communication. Je suis Lias, je suis docteur. Je suis très heureux de vous dire le titre de Medli. Merci. Fella Fakari qui veut donc s'exprimer. Fella Fakari, marhababik. Merci d'être avec nous. Ah, on a perdu Fella. J'espère qu'elle va rappeler ou qu'on la rappelle. Alors avec nous, Nejla Hamidchi de Constantine. Nejla. Allam. Marhaba bik, Nejla Allam. Merci. Oui. Je vous en prie. Merci. Bikroya, merci. Et c'est le mec. Tfadli, je vous en prie, exprimez-vous. Allô? Oui, je vous en prie. Anan Smaoufik. Alors? Oui, je vous en prie. Allô? Oui, on vous écoute. Je ne vous entends pas très bien. On vous écoute très bien. On vous entend très, très bien. Vous pouvez vous exprimer. En fait, sur le sujet de la santé dans notre pays, c'est ça. En Amérique, exactement. Là, on avait un enfant malade qui est né avec une malformation.
ce qu'on appelle le spina bifida. D'accord? Oui, oui, on vous écoute. Allez-y, je vous en prie. Et c'était notre vie qui a été bouleversée totalement à cause de cette malformation de ce petit enfant. On a fait des mains et des pieds pour le faire guérir ici en Algérie. On est de Constantine. On nous a orientés à Alger pour voir d'autres médecins et d'autres hôpitaux. Et c'était sans espoir, carrément. Ils nous ont demandé de ne pas le toucher carrément, sinon il sera handicapé pendant toute sa vie. Oui, oui, oui. Et finalement, grâce à une société, Dr Stamboli, l'Algérie, Inch'Allah, et M. Fidali, il y avait beaucoup de gens qui nous ont aidés. Là, on ne peut pas me dire qu'ils nous ont orientés vers un médecin au Maroc. C'est le professeur Al-Khamlichi, c'est un neurochirurgien, un grand, grand neurochirurgien au Maroc. Et c'est lui qui nous a sauvé la vie de notre enfant et notre vie aussi. Très donc bien. Ça fait mal au cœur. Nos voisins, Yannick Guérin, c'est des Marocains. Malheureusement. Malheureusement. Et ce n'était pas l'unique enfant. Il y avait beaucoup d'enfants. Ils ont le risque de vivre des handicapés pendant toute leur vie. Ça fait vraiment mal au cœur. Et jusqu'au moment, on n'a pas pu oublier Oshidez Alina, ce qu'on a passé et tout. C'est vraiment, on ne se dit pas honteux, mais. Merci Nejla, merci pour ce témoignage. Nous allons prendre Fella Fakari de Blida. Fella Fakari, merci d'être avec nous. Oui. Tfadli Fella. Alain. Tfadli Madame Fella Fakari, je vous en prie. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oui. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي يا اختي انا نسمعوا فيك. حسناني فرحانة، السلام عليكم، حسناني فرحانة اللي راني معاكم. تفضلي يا اختي فلا، تفضلي نسمعوا فيك. أنا الحمد لله اللي راني معاكم، ونشكركم أنتم اللي عطيتونا فرصة أخرى باش نقدروا نتنفسوا سعداء. اللي راني معاكم باش درتوا لي هذا الحصه باش نقدر نزيد نشقم به على وجداد على بنتي ذكرى احكي لنا اختي فلا ماذا بك فلا فقاري مدام فقاري ماذا بك ادخلي في الموضوع اخترك شي على بالك كاين ناس ينتظروا ماذا بك تفضلي وتكلمينا مدام نقصي التلفزيون اختك شي انا ما نسمعوكش مليح أدري من الهاتف تفضلي قلت لك باللي يعطيكم الصحة اللي درتونا هذه الحصة باش نقدروا نشاركوا معاكم تفضلي احكي لنا القضية في ذاتها مدام تفضلي مباشرة القضية كانت على بنتي كانت عندي طفلة الله يرحمها واسمها ذكرى كانت عندها الاسبينا بيفيدا وعانينا مع المستشفيات الجزائرية كما راكم تقولوا في الفوتو كما رانا احنا ثاني عانينا هذا الشيء وجوزناه ومع المدفع حتى اللي ما يتلاش مع كل واحد فيهم ابداهم من الوزير اللي السابق اللي كان حتى من الفاميلي كامل معاناة كبيرة يعني انا ماشي انا ان شاء الله ذكرى واللي كيما ذكرى ما نسامحهم ما نسامحهمش باذن الله ونصح ان شاء الله توروا هذه الحقائق جازوا علينا في الزوبيتو حتى دوكا مازالوا يجوزوا عليهم ما كاين حتى اعتناء بارك الله فيك اختي فلا فقاري كاين مكالمات كثيره نحاولوا نفوتوهم واش نطلب من الناس ماذا بهم يختصروا شويه باش نجموا نفوتوا اكثر الناس ممكن معنا شكون معنا الان فريد تفضل جو زون بخي فريد Allô, bonjour. Bonjour, Farid. Tfadal, je vous en prie.
Je suis médecin. Je voudrais porter un témoignage par rapport à la santé en Algérie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je crois que il y a un faux débat, hein, parce que quand on parle de la santé, on a l'impression que c'est isolé. La santé, c'est un tout. Or, malheureusement, là, en Algérie, rien ne marche. Je ne vous le fais pas dire. Tout le système marche sur la tête. Alors, c'est vrai que quand on est confronté à la santé, c'est plus sensible. Mais quand on voit les images de saleté, de manque d'hygiène, comment voulez-vous parler de santé? Quand on pense que les médecins, moi je suis médecin, je suis algérien, quand on pense que les médecins vous disent tous, moi j'ai peur que mon fils tombe malade en Algérie. Ouais, c'est tout dit. C'est le système, système qui est en place qui fait que ça ne peut pas marcher. C'est comme l'école, c'est comme la santé, c'est comme l'agriculture. Il y a un pouvoir politique depuis 62 qui est incompétent, qui est corrompu et qui ne peut engendrer malheureusement que des situations catastrophiques. Ce qui est merci. Encore plus heureux. Merci, merci Jamal, docteur Jamal. Ma'ana Jamal de France. Jamal, salam alaykoum. Wa alaykoum salam, alam bik, merci. Jamal parle avec Jamal. Merci, marhaba bik, tfaddal. Mais vous êtes Jamal Din, plus que moi. Allah yebarek fik, Aïch. Tfaddal. Jamal, wallah al-azim, c'est pas la première fois, Wallah, quand on est arrivé à la santé ta' bnadem, à la santé à ce point-là, كيفاش مالات رحم بابك في لاصار تاعو وواحد حدا شي با كاسكي في كوم ترافو صافي فرانشمون لا وني تاريفي ا اون ايتاب ساي خلاص مي فوالا جمال كوم شاك فوا فو ديت سي با لا بروميير فوا سي با لا دوزيام فوا اوني كوم سا لا غالب سي سا لالجيري فوالا سي سا ميرسي ميرسي خويا جمال ميرسي خويا جمال معنا سعيده دو عنبه جو زون بري مدام Allô? Allô, Saïda, marhaba bik, merci d'être avec nous. Merci à vous. J'en prie. Bon, je voulais participer. Salam alaikum d'abord. Alaikum salam. Je voulais participer à l'émission. Marhaba bik. Je suis infirmière. Oui. Et le cas de l'hôpital de Constantine. Oui, oui, poursuivez, on vous entend très bien. Oui. Le cas de l'hôpital de Constantine, c'est concret. C'est concret, c'est pas de l'imaginaire et c'est pas de la science-fiction, mais c'est la réalité. Les femmes, qui viennent accoucher, elles sont dans une salle à quatre par lit, quatre par salle et deux par lit. Les bébés, la femme de ménage, elle prend quatre bébés dans ses mains pour les transférer en nurserie. Là où ils prennent les soins d'urgence de néonatologie. La santé à Constantine, à Annaba, en Algérie, elle est malade. La santé est malade, c'est tout dire. Oui, elle merci, est malade, oui. Merci Saïda, je suis obligé de vous écourter, de vous interrompre. Cheikh de France, Cheikh, tfaddal, je vous en prie. Voilà, خويا ما نش فاهمين حق الله العظيم والله ما انا فاهم اسكون فوا ici sur la télé à chaque fois sur au fait c'est un échec total c'est un échec de tous les côtés là on a à chaque fois on parle de la classe politique mais hadou c'est des médecins hadou c'est leurs médecins ils travaillent dedans donc normalement houma allô oui on vous écoute. Normalement, c'est aux médecins, pourtant ils sont cultivés, ils sont assez cultivés, ils ont assez de pouvoir pour mettre en place des structures pour leur hôpitaux. Mais si à chaque fois, les politiciens, et où machara midiru, ils encaissent l'argent et c'est tout, ils encaissent leur salaire et c'est tout. Mais, wallah, bzaf. Merci, Cheikh de France. Abdallah de Suisse. Abdallah d'Autriche. أنا. نحب نسمعوا للسلطة الجزائرية الصور المنسيئة الذي نشوفها على شاشة من المستعجلات ونصب طرات الجزائر والله الأسف نتمنى أن يسمعوا هذا الكلام أنهما يتقوا الله على الشعب الجزائر فقط السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كريم دالجي ألو
Oui, Karim, je vous en prie. Monsieur Bichinouf. Anam, tfadal. C'est un plaisir de vous avoir. C'est merci. La première fois. Merci, merci, Khoya Karim. Marhaba bek. J'ai du sol. Je voulais vous dire, là, c'est à propos de l'État, à propos de la santé. Oui. Je voudrais dire à ceux qui sont passés avant moi, qui ont tout à fait raison, ce que je voulais dire, monsieur Bichinouf. Oui. C'est que la santé, et j'en parle parce que j'en ai souffert quelque peu, c'est la catastrophe. On ne peut, votre émission est vraiment, vraiment, n'exprime pas assez les souffrances dont on souffre. Et, l'état des hôpitaux. Oui. Plus catastrophique que ça. Il n'y a plus autre chose, il n'y a plus de médecins. Ou du moins, ils sont très très rares. Merci, merci Karim. Encore que je crois qu'il ne faut pas jeter la pierre aux médecins. Je crois qu'ils sont eux-mêmes victimes de ce système. Mahmoudi de France. Oui, oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. J'ai très bien nchouf les images de la blade qui est là. اللي في الـ في الـ نقولوا احنا في الـ في القناه الجزائريه يورونا بلي تو با بيان اون الجيري ومن نشوفوا قال كي بالي نشوفوا كل شيء خاص هاني نشوف انا الشيخ الو oui oui je vous en prie après vous nous allons prendre un dernier appel nous prendrons un dernier appel parce que nous arrivons à la fin de l'émission oui بارك الله فيك الشيخ راني نشوف الطب لا ما يخدموا في المستشفيات كيفاش يدخل الصباح بالطبليه تاعو بيضه ويشوف المنظر هذا ويكمل النهار في الملكي مانيش فاهم Merci, merci Khoya Mahmoudi. Dernier appel avant de revenir à nos invités pour leur donner le mot de la fin. Omar Dalmani. Allô? Omar Dalmani, Ahlan Bek, merci d'être avec nous. Merci. Monsieur Nouf, salam alaikum. Wa alaikum salam, Atla. Barakallahu fik ala kulli hal. Allah yaishk. Allah yakhtar mbhalak. Barak fik. Anni, Allah yakhtar mbhalak. Allah yaati l'ibad al-aqal kima li'ataka rabbi. Yaishk. الله يبارك فيك الله يبارك فيك خويا عايش والله العظيم غير نقول حاجة يعني تستاهل كل احترام كل احترام تستاهلو والله عيب عيب الجزائر ضيع عيب كيما انت كيما العربي زيتوت كيما سعيد جبار كيما واسمو هذاك واسمو صالح والله غير عيب ربك واش راني نشوف راني نشوف يا خويا جمال العالم هذا راه مقسوم على زوج يقول لك احنا الشعب وانتوما الشعب كيما دار هاي صار في مصر على بالك ما في لا تمشي هاد لومون شنو كثر نقولها لكم محمد على بالك خويا اسمك جمال على بالك كاين دي جون دي زاجيرين في نوفر كاليدوني كون ديروا عليهم بروغرام جابهم الجزائر الوثيقيه والشعب هذا الجزائري هذا الجهل اللي راه عايش هنا في الغربه اللي نعيط لهم انا الشياتين ما راهمش عجبهم الحال كي راني نهضر بالك ما تهضرش علاش ما نهضرش نشوف المنكر في بلادي هما تسموا الفريد دي زاجيرين ولا لا Merci, merci Khoya, merci Khoya Omar, obligé de vous interrompre, l'Asif Shadid. Je vais laisser une minute à chacun de nos deux invités. Noha Aïssat, le mot de la fin, en moins d'une minute, s'il vous plaît. Monsieur Benchenov, pour finir, donc, je vais juste vous raconter une petite anecdote. Moi qui suis restée longtemps sans aller aux hôpitaux, ça m'est arrivé il y a 5 ans à peu près, où j'avais une petite intoxication alimentaire, donc je suis passée à l'hôpital qui était à côté de chez moi. Donc là, je me rends au service des urgences, je passe chez le médecin. La première des choses que j'ai constatées, je pense que j'avais payé 100 dinars, un truc du genre. Donc j'avais dit à ma mère qui m'accompagnait à ce moment, finalement, les hôpitaux en Algérie, en fait, c'est pas cher, c'est accessible pour quand même passer chez le médecin. Et là, je passe faire ma consultation. La première des choses, donc je passe chez le médecin, c'était une femme. Il y avait quelque chose sur le lit de malade qui était couvert. Et là, le médecin me dit directement, oui, vous avez une intoxication, c'est le cas de beaucoup de personnes. Elle me pose absolument aucune question. Elle commence à m'écrire l'ordonnance. Et là, je la vois dire à quelqu'un qui était rentré, bien sûr, la porte était ouverte, les gens rentraient fort. Et là, elle leur dit « Où est-ce que tu as été choulée ?» Après, je pose la question à la personne qui était là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un mort, Allah yarhamou le salih, qui était allongé à côté. Et moi, je suis passée en consultation, donc juste à côté. Et puis, la façon dont le médecin a parlé. Donc, c'est juste un exemple terrible. Par rapport à la banalisation des choses. Et c'est terrible, c'est terrible, je vous le dis. La gratuité des soins ne pourrait... Merci, merci Noha, merci Noha. Aïssa, je suis obligé de vous interrompre, malheureusement. Khouya Elias, le mot de la fin, en moins d'une minute, malheureusement. Il faut tout d'abord changer le Qibla. Le Qibla, ce n'est pas Paris.
Il faut changer le Qibla. Le Qibla, c'est la médecine, c'est les USA. On a des sommités, des Algériens, des sommités qui ils sont en train d'attendre. Donnez-leur la chance. Il faut mettre de l'argent dans cet argent avec une transparence. Il faut former l'INSEM, le médecin, la femme de ménage, l'infirmier. C'est la formation, c'est la gestion, la transparence. Il faut faire venir des compétences et on en a à l'étranger. On a une communauté formidable. Ils sont en train d'attendre la chance pour sauver ce pays, si jamais. Parce qu'il y a du pouvoir, c'est un pouvoir pourri. Il est pourri. Il a pourri avec lui ce pays. Et puis les gens qui ont signé l'attestation de bonne santé du président, parce que le président est malade. Tout le pays qui est malade. Merci Ilyes Filali pour ces mots pleins de sagesse. Pour ma part, j'aimerais dire une chose. Ça ne coûte pas grand-chose en fait. Avant de restructurer les hôpitaux, de faire de la gestion, de communication, de licencier des gens, comme l'a dit Ilyes Filali, d'humilier les gens, les responsables en direct à la télévision, je crois qu'il serait beaucoup plus facile de mettre en place un système qui puisse au moins garantir un minimum de propreté, d'hygiène dans nos hôpitaux. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Qawal akhir. Salama.